Les grandes régions du monde, niveau 1. Sur notre planète, il y a de très nombreuses régions différentes, de grandes chaînes de montagnes, d'immenses plaines, des forêts et des grands déserts. Nous allons voir quelques-unes de ces régions. Commençons par les grands massifs montagneux. En Amérique du Nord, on trouve une grande chaîne de montagnes qui court de l'Alaska au Mexique, les montagnes Rocheuses. En Amérique du Sud, la cordillère des Andes va du nord au sud du continent. C'est la plus longue chaîne de montagnes du monde. En Europe, tu connais les Alpes, dont une partie se situe en France. Et en Asie, les plus hautes montagnes du monde se situent dans le massif de l'Himalaya, au nord de l'Inde. Notre planète compte aussi un bon nombre de déserts, mais le plus grand est le désert du Sahara, qui couvre tout le nord de l'Afrique. Au sud de l'Afrique se situe le désert du Kalahari. Enfin, en Asie se trouve un désert assez froid, le désert de Gobi. Restent deux régions particulières. En Amérique du Sud, la plus grande forêt du monde s'appelle l'Amazonie, qui est traversée par le plus long fleuve du monde, l'Amazone. Et enfin, en Asie, la Sibérie est une très grande région froide et boisée, qui appartient à la Russie. En résumé, parmi les grandes régions du monde, on trouve les montagnes Rocheuses, la cordillère des Andes, les Alpes, l'Himalaya, le désert du Sahara, le désert du Kalahari, le désert de Gobi, l'Amazonie et enfin la Sibérie.